Alors Isabelle, vous avez mon petit cadeau. Merci. On peut y aller, monsieur Mérine? Je vous en prie, Isabelle. Où est le feu? Pourquoi faites-vous tout ça? Que j'aime pas les lois. J'aime pas les lois et j'ai pas envie d'être l'esclave à perpétuité de mon réveil matin. Moi, je veux pas rêver ma vie. Je veux pas, chaque fois que je passe devant une vitrine, me dire tiens, il me faudrait 10 mois de boulot pour pouvoir me payer telle ou telle chose. Non. Non, non. Mais qu'est-ce que vous cherchez en vivant cette vie? La gloire? L'argent? Quelle question! L'argent, 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 toujours l'argent, vous savez. On vit dans un monde d'exploiteurs. Mais moi, j'exploite personne. Qu'est-ce que je fais, moi? Bah, hein? Chercher l'argent où vous voulez, c'est-à-dire dans les banques. Et du point de vue politique, vous diriez que vous êtes à droite, à gauche? Ni d'un bord, ni de l'autre. De toute façon, la politique, c'est magouille et compagnie, c'est bien connu, hein. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Je peux pas faire confiance à l'état d'esprit d'un politicard, moi. Est-ce que vous diriez que vous êtes un homme dangereux? Dangereux? Qu'est-ce que vous en pensez? Dangereux, oui, peut-être. Hein? Je sais pas. Pourquoi vous dites ça? Dangereux, dangereux, ça dépend. Enfin, c'est les flics armés, ah ouais, ça c'est sûr, j'ai aucune limite. Hop là! Le shoot! Eh bien, ça va, tu regardes. Dangereux. Peut-être. Peut-être que je suis un homme dangereux. Comment pensez-vous que vous allez vieillir et mourir? Ah. Franchement, je crois pas que je vieillirai beaucoup. Ils vont finir par m'abattre et mourir. C'est normal, c'est logique, c'est la suite. Et puis vous savez, hein, quelqu'un qui a été enfermé dans les QHS, les quartiers de haute sécurité, il a tous les droits. Donc moi, j'ai tous les droits. C'est pas un peu désespéré? Vous avez des projets? Des projets, j'ai plein de projets, moi. Toujours plein de projets. Je vais faire fermer les QHS. Parce que moi, j'ai passé 5 ans. Vous savez ce que c'est, 5 ans? 5 ans dans les QHS, et je vais faire sortir de là tous les gars qui sont dedans. Moi, j'ai vu comment on brise les hommes, comment on les démonte, comment on les casse. Et si là-haut, là, monsieur Alain Perfitte, notre garde des Sceaux, a pas compris, c'est que je suis un spécialiste en la nitroglycérine. Moi, s'il faut abattre quelques juges, je le ferai. Vous voulez des bandes abadaires en France? Hein? Ils veulent des brigades rouges? Faudrait qu'ils se posent la question. Parce que moi, s'il faut aller dans un quartier, là-bas, là, un truc avec les Palestiniens pour m'entraîner, je peux vous dire, je vais y aller. On va tout faire péter. Qu'est-ce que vous voulez voir? Un café? Avec plaisir. Un café avec du sucre?